Bonjour, confinement numéro 2, de retour dans mon couloir. Un petit moment pour nous entraîner après avant de reprendre vite le golf, on espère. Aujourd'hui, on va s'entraîner au putting. Et pour s'entraîner au putting, il faut avoir des instruments, il faut avoir des aides pédagogiques. Voici les aides pédagogiques que je vous propose. Ça, c'est une ligne, un sharpie. Et aujourd'hui, on va s'entraîner avec un tapis de putting. Alors, le tapis de putting, on voit qu'on n'essaye pas de faire un mouvement de putting droit et droit. On voit qu'il y a un arc. Ici, ce tapis de putting, il y a un arc de 12 degrés. Je recommande un arc de 12 degrés. Il y a d'autres tapis de putting qui ont un arc plus important, mais 12 degrés pour moi, c'est bien. Et le but, en fait, c'est d'avoir bien sûr, un bon geste de putting, d'avoir le club square et que la balle passe ici aujourd'hui entre ces deux beaks. Donc, on met la balle, on va mettre la balle dans la position, dans ce petit trou. Et donc, on va bien se concentrer parce que c'est pas évident. Donc, on se concentre bien. Quand on se concentre bien, on fait bien attention, on fait le mieux que l'on peut. Et on va essayer d'avoir le club square à impact pour que la balle passe entre les deux beaks. Réussi. On recommence. Donc, on essaye d'avoir un bon stroke pour avoir le club square à l'impact. Encore réussi. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de tapis de putting? Eh bien, on prend une pièce assez plate, on place la pièce au sol, on aligne le trou, la pièce et la balle. Et si on passe au-dessus de la pièce, ça veut dire que notre club était square à l'impact et que la balle a beaucoup de chances d'aller vers le trou, comme ceci. Je vous souhaite un bon entraînement, un bon confinement. On a le temps, profitons de ce temps pour bien recaler nos fondamentaux, pour avoir une super reprise. Allez, à bientôt. Au revoir.